atelier est mon premier roman. C'est l'histoire d'Odile, qui est la fille d'un peintre célèbre et de sa muse. Donc en fait, c'est l'histoire d'une petite fille, puis d'une jeune fille et d'une jeune femme qui peinent à exister au sein de ce couple, qui est un couple très flamboyant, un couple plutôt fusionnel et passionnel, voilà, dans lequel lui, le père, ne se préoccupe que de sa peinture, et dans lequel la mère ne s'occupe que du père et de l'accomplissement de ce qu'elle pense être son œuvre ou leur œuvre. Tout le récit se déroule au cours d'une journée et d'une nuit, pendant laquelle Odile, pour la première fois, va poser pour son père. Donc il va la peindre dans son atelier pour la première fois. C'est une jeune adulte. Et au cours de ce moment, elle va se remémorer son enfance, toute sa vie en fait. Donc c'est des sensations, des odeurs, des gestes parfois du père qui, au fur et à mesure, font naître des souvenirs chez Odile, des souvenirs de la petite enfance, dans laquelle elle était plus une gêne qu'autre chose pour ses parents, des souvenirs ensuite de jeune fille, des pensions dans lesquelles elle est très vite envoyée, et puis des souvenirs aussi de sa découverte de la peinture, puisqu'en fait, au sortir de l'adolescence, Odile se met elle-même à peindre, avec un rapport très différent de son père à la peinture, à savoir un rapport beaucoup plus violent, beaucoup plus fiévreux. Donc par exemple, lui peint des toiles de petit format et elle va de plus en plus peindre des tableaux gigantesques dans lesquels elle met beaucoup de matière, beaucoup de couleurs. C'est cette histoire-là, c'est un récit familial en fait, quand même, avant tout, sur la difficulté à exister quand on ne vous a pas accordé de place ou accordé quand on ne vous a pas regardé. Et puis c'est aussi, en fait, j'avais envie de parler de questionner plus, parce que l'acte de création, donc avec l'idée de se demander comment on devient un artiste, est-ce qu'il suffit d'avoir du talent pour créer et devenir un artiste. Pour ça, la figure de la mère et Dushka m'intéressait particulièrement, puisque c'est pour moi une véritable muse, une égérie donc, pour le père. Donc évidemment, elle cherche d'une certaine façon la lumière et la gloire à travers son œuvre, mais c'est aussi une figure d'amoureuse, une figure de quelqu'un qui croit avant tous les autres au talent et qui en fait l'aide à exister. Voilà, d'où la question parfois du regard pour devenir quelqu'un qui va se poser avec Odile, de savoir si elle peut s'accomplir toute seule. L'écriture a été assez longue, enfin avec des morceaux un peu dispersés. Et ce que je voulais avant tout, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est ce que je voulais ou ce qui s'est imposé, c'est que ce soit une écriture très sèche, assez dépouillée, puisque l'idée c'était vraiment qu'on puisse entendre la voix d'Odile et que finalement c'est quelqu'un qui parle, qui est pas une bavarde, ça c'est sûr, et voilà, chez qui la violence, les émotions sont toujours extrêmement contenues, extrêmement maîtrisées. Moi, je lui ai donné une identité russe, parce que il y a Gala évidemment, mais il y a toute une série d'égéries russes qui ont quand même à une certaine période inspiré les peintres, les écrivains, et que donc c'est vrai que ça par principe, ça, j'ai pas voulu le nier, j'ai voulu plutôt cultiver cette évocation là de ce portrait là.